Bonjour, je m'appelle Gudrun, je suis professeure de danse et coach du féminin sacré et je fais une série de 15 vidéos pour cette rentrée scolaire pour t'aider toi à faire de la place pour ta passion et vivre de ta passion. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'exercice physique parce que si tu veux vivre ta passion, tu dois être physiquement en forme. Et donc évidemment, beaucoup de choses peuvent se faire, peut-être que tu fais déjà du sport, donc ça c'est topissime. Mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment tenir compte. Ton corps, il a besoin d'avoir l'énergie qui circule. Il a besoin d'être en bonne santé parce que sans toi, il n'y a pas de business non plus. Sans toi, il n'y a pas de passion. Donc aujourd'hui, mon conseil, parce que je sais que tout le monde a toujours très très peu de temps et tous mes conseils ici, ce sont des choses que tu peux mettre en place avec très peu de temps. Mon conseil, ça va être très bref, c'est de pratiquer les 5 tibétains. Et j'ai fait une vidéo déjà sur YouTube, j'en ai déjà fait même 2, où j'explique comment vont les 5 tibétains. Alors, ça m'intéresse, est-ce que toi, tu fais peut-être déjà les 5 tibétains? Te lever le matin, répéter cet exercice, voilà, ça m'intéresserait de savoir. Je te mets le lien vers YouTube où tu peux regarder ça, et voilà l'exercice que je te recommande. Pourquoi? Parce que ce sont 5 exercices que tu répètes entre 1 et 21 fois et selon la forme du jour et aussi selon le temps que tu as pour ça. Pour moi, il n'y a rien de mieux, rien de plus facile. Parce que si tu fais ces exercices tous les jours, ça va transformer ta vie. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire au niveau physique. Ça relance les chakras, ça renforce les muscles, ça t'étire, c'est fabuleux. C'est tellement simple et tellement fabuleux. Bien, ben voilà, alors mets-moi un commentaire ici en dessous pour me dire si tu connais déjà les 5 tibétains et si tu les as déjà pratiqués. Voilà, voilà. Ok, je vois qu'il y a des personnes qui regardent. Coucou. Alors, si toi tu fais de la place pour ta passion, est-ce que tu suis déjà mes conseils ou qu'est-ce que tu fais pour faire de la place pour ta passion et vivre ta passion dans ta vie? Ça m'intéresse. Moi, je fais un tas de choses, évidemment, et maintenant, je suis indépendante, donc mis en indépendant. Donc là, ma journée est à 100% presque consacrée à ma passion et waouh, c'est un pur bonheur. Ok, très très belle journée à vous toutes et à très bientôt. Ciao, ciao.